yo, move out the way, we got Missy Elliott, you coming through now. That is Missy Elliott, she knows a lot of me. So I'm gonna roll up in the club with them, report that next week. Bienvenue dans notre Top Gossip. Cette semaine, un spécial fake. Numéro 5, la Brésilienne Erika. En quart de finale de la Coupe du Monde féminine en Allemagne, alors que le Brésil mène 2-1 face aux États-Unis, elle simule une crampe pour gagner du temps et empêcher l'égalisation. Raté, le Brésil perd. Numéro 4, Chris Bosh. Opposé à Carlos Boozer des Chicago Bulls, Chris n'a rien trouvé de mieux à faire que de se jeter à terre après avoir été effleuré du bout du coude. Quel drama queen ce Chris! Numéro 3, Cesc Fabregas. Face à l'équipe d'Everton, le joueur d'Arsenal se fait tomber tout seul en pleine course vers le but. Censé être responsable de cette chute, l'Espagnol Mikel Arteta n'en croit pas ses yeux et n'ose même pas se plaindre auprès de l'arbitre. Pas beau Cesc! Numéro 2, Rivaldo. Excellent joueur et acteur. Coupe du Monde 2002. Le Brésil affronte la Turquie. Touché au genou par le ballon, Rivaldo semble ressentir une douleur insupportable au visage. Cette performance d'acteur a tout de même valu un carton rouge au pauvre joueur turc qui ne faisait que lui passer la balle pour un corner. Bien joué. Numéro 1, ex-aequo pour Albert Streit et Norbert Meyer. Impossible de les départager tant le joueur et l'entraîneur allemand défient tous deux la logique en plongeant suite au plus léger des coups de tête. On notera tout de même un manque de synchronisation dans la plongée au sol.